Un message pour toi du chagrin. Il y a du chagrin à venir, il y a du chagrin peut-être au présent, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Allez, on va aller voir ce qui te chagrine. Je sens beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, d'angoisse, de désespoir. J'ai vraiment le mot désespoir. On est sur la période d'hiver. On voit bien qu'il y a quelque chose de compliqué cet hiver. On y est encore. Il y a quelque chose qui est latent. Tu vois, le rat, il sort. C'est pour dire qu'il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. On parle de déprime, de grosses, grosses déprimes. Ben alors, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a, tu vois, quand même, quelque chose de positif. On parle d'abondance au niveau des papiers. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est compliqué à se mettre en place? Matériellement parlant, et ça te cause énormément de tracas, de tristesse, d'angoisse, voire même de détresse. On sent quelque chose d'assez lourd, d'assez fort. À toi de voir par rapport à ce que tu traverses. On voit que pour le coup, il n'y a rien qui se passe. Ben, c'est le désert en fait, regarde, c'est aride. Il n'y a rien. Il y a du silence, il n'y a rien. Il y a eu aussi beaucoup de langues de vipère. On ne t'a pas forcément aidé non plus. On sent qu'on ne t'aide pas là. Hein. Il y a vraiment quelque chose de compliqué. C'est en lien avec ton foyer. Donc, on touche clairement aussi le côté un peu plus personnel que le côté professionnel. On voit que tu vas vers la fin d'un chapitre pour en ouvrir un autre. Il y a des choses que tu es en train de comprendre, de mettre en lumière, qui n'ont plus lieu d'être avec toi. Moi, je pense que c'est vraiment un message qui t'est personnel. Hein. Il y a une signature. Alors, si tu es sur un déménagement et que les choses ne prenaient pas, on te dit, c'est pas grave, laisse passer cette fin d'hiver. Il y a quelque chose de positif qui se met en place. Tu n'es pas dans des énergies, en tout cas, tu es fatigué. Et clairement, je t'invite à essayer de te reposer. Tu vois, regarde, c'est clairement ce qu'on me dit. Hein. Essaye de te reposer. Il y a beaucoup de choses qui se mettent trop en place et tu n'arrives plus à gérer. Ça veut dire que l'univers te dit arrête. Hein, tu vois bien que tu es en train de t'essouffler. Tu es en train de ramper tellement tu as toujours cette envie d'avancer. Mais souffle, souffle, prends du temps pour toi. Mets des choses en place pour toi. Des petites choses, quoi qu'il en soit. On te parle d'engagement. Donc, si c'est sur une relation, quelqu'un qui est sorti de ta vie, on te parle quand même qu'il y a une reprise de communication. Si c'est par rapport à un projet, qu'il soit professionnel ou bien un logement. On te dit que tu vas pouvoir signer quelque chose à partir après l'hiver. Laisse passer la fin de l'hiver. Laisse vraiment passer la fin de l'hiver pour pouvoir avancer avec beaucoup plus de sagesse pour aller vers un nouveau départ.